Bonjour à tous, bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. Nouvelle semaine, nouveau défi. Aujourd'hui, on a une excellente séance, prépare-toi pour un WOD Hero. Attention, ça va déchirer. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel, d'ailleurs j'en ai pas pris, mais je te laisse prendre un tapis si jamais tu fais les pompes à genoux. À l'attaque. Let's go! Échauffement par ici. 6 minutes d'échauffement aujourd'hui. Répétition progressive, une rep de chaque, puis 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tu vas le plus loin possible en 6 minutes en prenant ton temps et en travaillant qualitativement. Premier exercice, holo, scaps push, scaps, les scapulas, ce sont tes omoplates. Je me mets en position planche, holo, c'est-à-dire que je vais aspirer mon nombril et serrer mes fessiers, comme lorsqu'on est au sol. À partir de là, je vais venir relâcher les épaules et je vais repousser ici. Relâche, repousse. Ici, on voit mes omoplates. Et de là, je repousse. Quand on doit faire une répétition, évidemment pour celui-ci, nous en ferons deux. Deuxième mouvement, on reste dans notre position de planche pour les shoulder taps. Planque, tape, une fois de chaque côté pour une répétition. Derrière, planque, tout downward dog. Tu commences à bien le connaître. Toujours en position de planche. Je pousse sur les mains, tac, jusqu'à ce que mes talons viennent toucher le sol. Avec ou sans les jambes tendues, comme tu le sens. Donc une répétition, monte les fesses et je reviens. On poursuit avec les Froggers. Toujours dans ma position de planche, j'emmène les deux pieds en un seul geste à côté des mains. J'atterris en crapaud et je retourne à mon point de départ. Essayez si vous pouvez de ne pas trop monter les fessiers, de ne pas me faire ça, mais plutôt restez à ras le sol, gainez, adaptez en emmenant un pied après l'autre au niveau des mains, selon votre souplesse. Dernier exercice, on se redresse, et d'ailleurs juste après le premier, tu peux arriver là, pour le squat. Talon niveau des hanches, je recule le bassin, et je descends jusqu'à casser la parallèle, et je remonte. Mon dos reste bien droit. Si besoin, tu peux lever les bras pour t'obliger à bomber le torse. Allez, on attaque l'échauffement ensemble. T'es prêt? On part dans 10 secondes. Top. On commence au sol avec les holo, scaps push. Deux restes. I'm losing myself tonight. With your love. With your love. I'm losing myself. Losing myself. I'm losing. I'm losing myself tonight. Losing myself. I'm losing. I'm losing myself tonight. Myself. Myself.
Yes. 6 minutes, 6 tours. Impeccable. J'ai fait une rep de 3 à un moment. Voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Allez, bois un petit coup et on va attaquer le wod. Je t'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas d'esquive. Pourquoi? Parce que le wod, il va nous prendre un certain temps. Tant qu'il va dépendre de tes capacités, évidemment. On va dire que souvent, c'est pour les warriors. Mais si t'es pas encore un warrior, c'est que t'es un bébé warrior. La seule façon de devenir un warrior, bah, c'est d'y aller. Alors, en avant marche. Le wod, le voici. Monsieur Zachary Tellier. On commence avec 10 burpees. 10 burpees. Puis encore 10 burpees. Je le dis, je dis pas 20 burpees exprès. Parce qu'on commence avec 10 burpees. Derrière, tu reprends tout ce que tu as fait auparavant. Donc, je reprends mes 10 burpees auxquels j'ajoute 25 pompes. Round suivant, je reprends mes 10 burpees, mes 25 pompes et j'ajoute 50 fentes, 50 lunges. Ensuite, de nouveau les burpees, les pompes, les lunges auxquels j'ajoute 100 sit-ups. Et dernier round, the best, les burpees, les 25 pompes, les 50 lunges, les 100 sit-ups et les 150 air squats. Easy. Ça va te prendre un certain temps. On a mis un time cap, j'ai presque envie de l'appeler tie break. Parce qu'au bout de 34 minutes, tu auras le droit de t'arrêter. Il n'y a pas de souci. Si vraiment tu trouves le temps long. Mais tu n'as pas le droit de t'arrêter avant 34 minutes. Pendant 34 minutes, tu dois essayer de tout faire pour aller au bout en faisant des reps corrects et le plus vite possible. Si tu vas au-delà des 34 minutes, tu as le droit. Tu peux aller finir le wod. Mais je veux savoir où tu en étais à 34 minutes. C'est tout. Allez, les mouvements. Burpee, facile. De profil, tu verras mieux. Les mains au sol, rapide. Je descends rapidement. Je passe par la position de planche comme tout à l'heure en frogger. Genoux au sol, poitrine au sol. Je repousse guinée. Je regroupe comme sur le frogger et je viens taper les mains au-dessus de la tête. Dès que la poitrine touche le sol, je veux que tu pousses de toutes tes forces pour remonter. Deuxième exercice, les pompes. Bien gainé, toujours. Je descends les coudes serrés contre les côtes et je repousse. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu te mets à genoux, n'hésite pas à prendre ton petit tapis. Troisième exercice, lunges. Fente en avançant. Le dos reste bien droit. Épaules au-dessus des hanches qui sont au-dessus du genou. J'alterne droite et gauche. 50. Quatrième exercice, les sit-ups. Tu peux aussi prendre ton tapis si tu le souhaites. Je viens m'asseoir au sol. Je colle mes pieds, je rapproche les talons des fessiers et j'ouvre les genoux. Je déroule le dos. En contrôle vers le sol, j'envoie les bras à 45 degrés vers l'avant. Et je me sers de mes abdos pour me redresser. Je m'assois et je touche le sol devant mes pieds. J'insiste devant les pieds. Ne t'arrête pas ici. Je ne veux pas voir ça. Tu vas au bout du geste. Dernier ajout, les air squats. On en a fait à l'échauffement. Talons sous le niveau, sous les hanches. Pieds écartés de manière naturelle. Je recule mon bassin et j'ouvre. Je garde le dos droit, je bombe le torse, tu peux lever les bras et tu remontes. Le creux des hanches descend sous le niveau des genoux. Si tu vas vite, ne me fais pas ceci. J'en connais certains que je ne citerai pas aujourd'hui par égard pour leur femme, qui me font des squats comme ça. Je ne veux pas voir ça. Tu te corriges, surtout à la maison. Voilà pour aujourd'hui. Ouh, ça va envoyer un wodero. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait un wodero. Même si c'est vrai, il y a quelques wods qu'on a fait récemment qui ressemblent à des woderos. Là, il va falloir être fort mentalement sur celui-ci, puisqu'à chaque fois, on revient au départ et on recommence. La technique, c'est de ne pas réfléchir. Dépose ton cerveau et avance. Ne te pose pas de questions. Il n'y a que comme ça que tu pourras aller loin. Dissocie ta souffrance physique de ta souffrance psychique. Dans la tête, il n'y a pas de souci, tu n'as pas de problème à recommencer, tu peux le faire et le refaire. Là, à toi de te battre avec tes armes, prends l'option qui te convient et défonce tout.
Si t'as kiffé la vidéo, tu penses à me laisser un petit pouce sous la vidéo sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Laisse-moi aussi en commentaire le temps que ça t'a pris pour faire le WOD avec les adaptations éventuelles que tu as choisies. Pense à partager la vidéo. Partage tes joies et aussi tes souffrances. C'est important. Dernière chose, abonne-toi comme ça tu reçois les notifications avec la petite cloche. Tu reçois les notifications chaque jour à 7h, le WOD du jour avec le dimanche, les étirements. Voilà, je te souhaite bon courage pour le WOD. Que la force du tic soit avec toi! Ha ha.